Ông quý chủ. President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. Ông chủ tịch bác cả mặt tổ. The court is now in session. L'audience est ouverte. Today, the chamber hears testimony la chambre of a witness entendra to TCW la déposition du témoin de TCW 816 portant sur le centre de sécurité de S21. Mr. M. Hoy, please report the attendance Monsieur of the parties and other individuals la présence to today's proceedings. Et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. Greffier. Le greffier. Mr. President, for today's proceedings, all parties to this case are present. Au procès sont présentes. Except Anta Guisset, à l'exception de Maître Anta Guisset, International Counsel for Kyusum Pon, who is absent for personal reasons. Qui est absente pour des raisons personnelles. Mr. Nunchia. Present in the holding cell downstairs. Dans he has waived his right to be present in a courtroom. Il renonce à son droit d'être the présent. Waiver has been dans delivered le prétoire aujourd'hui, to le document de renonciation a été remis au greffier. The witness who is to testify today, le that is to TCW 816, confirms that through his best knowledge, par sa connaissance, he has no relationship by blood or by law to any of the two par accused. Alliance, ni par le sang, avec l'interprète des accusés, Nunchia et Kyusampon, ni avec l'une quelconque partie civile constituée dans ce dossier. The witness took an oath before le the Aero Club statue this morning, devant la statue à la barre de fer ce matin. And he has Mr. Myung Sowan as Maître a duty counsel, both sera present, son avocat de permanence. To be called by the chamber. Ils sont thank you. Tous les deux présents et se tiennent prêts à comparaître devant la chambre. President, je vous remercie. Le président. Merci. The chamber now decides on the request la chambre by va maintenant se prononcer sur la requête the de chamber Nunchia. Has received la chambre a waiver a été saisie from Nunchia d'un document de renonciation présenté par Nunchia en date du 23 mai 2016, dans lequel il confirme qu'en raison de son état de santé, il souffre en effet de maux de dos. In order to effectively participate in future hearings, il a du mal à rester longtemps assis et à se concentrer. Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire pour l'audience du 23 mai 2016. Il a été dûment informé par ses avocats sur les conséquences de cette renonciation qui ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit à un procès équitable ni à son droit de remettre en cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. Ayant été saisi du rapport médical du rapport du médecin traitant de CTC en date du 23 mai 2016 Nunchia has back pain Nunchia and feels dizzy when he sits for long and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nunchia his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs right and audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nunchia can follow that applies to the whole day. Nunchia puisse suivre l'audience à distance aujourd'hui et cette mesure est valable toute la journée. The chamber now issue an oral decision. La chambre va maintenant rendre une décision orale. To admit documents in relation to au fin de recevabilité des to documents TCW 816 relatif the au témoin de TCW 816. Of la chambre de première instance est saisie du document 319-436 requête du procureur international aux fins d'admission de 95 procès-verbaux d'audition supplémentaires. Cette requête comprend deux procès-verbaux d'audition du témoin de TCW 816 qui doit témoigner aujourd'hui. Il s'agit des documents 319.23.3.55 et 319.23.3.56.
the trial chamber decides to admit the two documents, that is E319/23.355 and E319/18.15 and E319/18.16 respectivement. Written reasons for this ruling and on the remaining requests of E319/36 will follow in due course. Suivront en temps opportun. And before we proceed to hear testimony of two TCW816, the Chamber will hear oral responses and submissions on two matters. First, that is Nunchi's defense submission to admit two documents pursuant to Rule 87.4. And a request for reconsideration of the decision of the trial chamber to adjourn the proceedings. Secondly, the Chamber will hear oral responses to the request by International Co-Prosecutor to admit into evidence the written records of interviews and documents in Annex 47 pursuant to Rule 87.3 and 87.4. En application de la règle 87.3 et 87.4, votre procureur. First request, that is the request from Nunchi's defense for the trial chamber to reconsider its decision on the adjournment of the proceedings, as well as to admit two documents into evidence pursuant to Rule 87.4, so that they can be used to question through TCW 816. The two requests via email to the senior legal officer of the trial chamber on 20 May 2016. Therefore, the chamber would like to hear responses from the concerned parties on these two requests. Et la chambre aimerait entendre les parties, les observations des parties relativement à cette requête. First, the Chamber is given to the Defense Counsel for Nunchi to make a briefer submission on the two requests. Though they are separate, you can do it at the same time so that the parties can make their responses to the two requests. And upon hearing those responses, the Chamber will use them as the basis for our decision. La Chambre se servira de ces observations pour fonder sa décision. Defense Counsel for Nunchia, you may proceed. Le Conseil de la Défense de Nunchia, vous avez la parole. Thank you and good morning, Mr. President, Your Honours. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, honorable juge. Bonjour à tous les confrères. Very briefly, très rapidement, in relation to the first request, en ce qui concerne la première requête, to have two documents. Requête aux fins d'admission, added, aux fins d'ajout de deux documents. Il s'agit d'une déclaration devant le tribunal militaire concernant l'accusé, concernant le témoin, et des documents de S21 qui avaient été soumis au témoin dans le cadre de son audition devant les co-juges d'instruction. I think both documents are relevant. Ces deux documents sont pertinents. If any responses from the prosecution are coming in relation to this request, I'm happy to reply. Et je serai heureux de répondre. Comments. De réagir à toutes les réponses des co-procureurs relativement à cette requête. Deuxièmement, nous avons une requête au fin de réexamen de la décision relative à l'ajournement du procès. Je ne vais pas reprendre les arguments formulés dans notre demande, mais j'aimerais faire quelques commentaires relativement aux raisons les plus impérieuses qui appellent un ajournement. Vous vous rappellerez que nous avons déjà débattu de long en large sur la nouvelle liste établie par le Bureau des co-juges d'instruction, liste portant sur les personnes détenues à S21. Dans le cadre de ce débat, nous avons abordé l'admission en preuve de 871 documents
the actual basis of this new OCIJ list, qui fonde cette liste, cette nouvelle liste prepared in cases 3 and 4. Du bureau des juges d'instruction, liste établie dans les dossiers 3 et 4. The chamber admitted the underlying après documents, 871 documents. Des 871 documents qui sont dans cette liste, nous avons reçu un email d'un des juristes attribuant une cote aux documents non encore admis en preuve. Of those 871 documents, or, sur ces 871 documents used by the OCIJ to prepare this list, qui ont servi à l'établissement de la liste, were not assigned par le bureau number. Des co-juges d'instruction, 724 n'ont pas reçu de cote. Le nombre total de pages de ces nouveaux documents E3 s'élève à 6763. The confessions et si that were used, l'on en déduit les aveux utilisés, il nous reste pages encore 4731 pages d'éléments de preuve nouvellement admis. La réponse des co-procureurs relativement à la première requête en ajournement indique que la majorité des listes de prisonniers ou de biographies figuraient déjà au dossier. Accessible in Zilab. Ou était déjà accessible sur Zilab. However, although with certain exceptions, theoretically, that is true. Toutefois, cela est vrai, théoriquement, practice, however, à quelques exceptions près, mais en pratique, to be very difficult, il s'avère almost impossible, difficile, voire to impossible, access those prisoner lists d'accéder à ces listes de prisonniers ou de documents relatifs à S21. Au paragraphe 20 de notre requête, nous avons indiqué en détail les gros problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsqu'il faut accéder à ces documents. The upcoming witness, and of course also, le témoin the witness after prochain Duik. I can now, et celui qui interviendra après lui, à savoir Duik, je peux me permettre de dire son nom, many to say about all those a supposément beaucoup de choses à dire au sujet de ces documents all those newly S21 documents. De S21 récemment versés en preuve. Nous avons constaté que nous n'avons tout simplement pas assez de temps pour pouvoir nous préparer à l'interrogatoire de ces deux témoins sur la base des listes de prisonniers, des biographies, etc. Ce que nous avons proposé, nous l'avons déjà fait dans nos précédentes requêtes, c'est de ne pas perdre du temps. Et pour ce faire, le procureur pourra aujourd'hui commencer à interroger le témoin de TCW 816. We'll also start next Thursday, or this coming Thursday, I apologize, ce jeudi, questioning Duik, nous entamerons également l'interrogatoire de Duik. The examination in chief has been completed. Et une fois que l'interrogatoire principal sera achevé, nous aurons suffisamment de temps pour nous préparer et d'examiner tous ces nouveaux documents relatifs à S21. Et par la suite, nous pourrions poursuivre avec notre contre-interrogatoire. Nous pensons qu'il s'agit d'une requête raisonnable à la lumière des nouveaux éléments présentés par le bureau des co-juges d'instruction et qui font désormais partie de notre dossier. Monsieur le Président, d'autres raisons ont été invoquées dans notre requête, mais je ne pense pas que nous devons nous y appesantir. Et ces raisons ont trait à la lourde charge de travail et aux pressions auxquelles nous faisons face à l'heure actuelle. Nous pensons que notre requête est donc raisonnable en ce qui concerne ces documents nouvellement admis. Je vous remercie. Le Président, merci Maître, je vais passer la parole au co-procureur pour répondre aux deux requêtes
du conseil de la défense de Nunchia. We have just summarized the true request. You may proceed. La défense vient de résumer ces deux requêtes. Le procureur, vous avez donc la parole. Merci, bonjour Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, bonjour Thank à tous you. Les partis. Good morning, Mr. Je vais President. Juste répondre sur la première requête, Good morning, the parties, l'admission de deux documents I respond to concernant the first motion regarding the admission of two documents regarding the concernant la déclaration qu'il a faite devant le tribunal militaire, nous n'avons pas d'objection regarding à l'admission de ce document, the qui document est relating to the concernant to le the deuxième document that person en fait, for the military tribunal, we don't have any objection. Du document as regards 21, the second document that has to do with the list of S21 attached to the statements en réalité, made nous ne voyons to the pas trop l'intérêt co-investigating de judges. Admettre une nouvelle as a matter fois, of fact, we do not see the relevance in admitting all those documents. Sont déjà admis individuellement. Insofar as all the documents have already been admitted individually, these are lists of prisoners entering S21, including the name of the witness who will appear today. All those documents already have the exhibit numbers. I do not think there's any single document in that list that doesn't have an E3 reference number. Nous n'avons pas vraiment d'objection, mais ce serait dommage we do not have any real objection to the admission of those documents. It would be unfortunate avec to des documents, en fait, qui sont déjà clock présents the dossier, case file with documents that are already on the record. Un certain nombre de ces documents I will qui ont déjà use des codes a number of those documents facile, that already have E3 exhibit numbers. It would be more voilà, easier, more easy and more practical. I'll give the floor to my colleague as regards the second application. Good morning, Your Honours. Bonjour, honorable juge. Bonjour, chers confrères. Let me start by saying that the co-prosecutors strongly oppose the idea that we should proceed à l'idée and examine que do our examination of l'on the next puissions, two witnesses que nous puissions and that the defense should then have an additional 3 weeks off prochain témoin, to prepare its examination of those same une pause de trois semaines pour, avant de procéder au contre-interrogatoire de ce même témoin. This issue, the parties should be treated the same. They should be treated equally. Les parties devraient avoir droit à l'égalité des armes, quelle que soit la décision que vous prendrez sur ce sujet. Regularly in this courtroom, contrairement à l'esprit de l'égalité des armes dont nous entendons parler tout le temps dans ce prétoire, la défense aura beaucoup plus de temps que le procureur pour préparer l'interrogatoire de ce témoin. We recognize avec un témoin comme Deutsch, nous reconnaissons qu'il y a des éléments I have 5,000 pages of de previous preuves abondants. From him, j'ai 5,000 pages de déclarations antérieures de Deutsch, plusieurs pièces à conviction. Et on peut y passer énormément de temps of new issues, pour préparer l'interrogatoire, like pour schedule, penser so that à toutes les questions qu'il faudrait couvrir. Whatever you decide, one side should not be given et quelle que soit votre décision, Monsieur like le Président, une partie ne devrait pas avoir l'avantage sur une autre, comme le demande la défense ici. Just a couple of points to make sure we're clear here. Juste pour éclaircir ce point d'ombre, j'aimerais dire que cette nouvelle liste des bureaux de co-juge d'instruction qui fondent leur demande n'est pas aussi nouvelle. Comme le dit la défense, cette liste a tiré d'autres dossiers et intégrée dans notre dossier. Nous avons eu connaissance de cette liste au même moment que la défense. Nous n'avons pas eu beaucoup plus de temps qu'eux pour prendre connaissance. Beaucoup plus de temps que la défense pour prendre connaissance de cette liste. En matière de ressources, la dernière fois nous en avons parlé, et j'ai dit à la Chambre qu'il y avait autant de consultants et de juristes dans l'équipe de la défense qu'au bureau du procureur, toute vérification faite.
Je m'excuse parce que cette affirmation n'était pas totalement vraie. Mes informations dataient d'une année et je m'en excuse auprès de mes collègues. Il y a 47 avocats et consultants dans les différentes équipes de défense, 21 avocats et consultants dans le bureau du coprocureur. Mon affirmation était donc erronée lorsque je dis que nous avions les mêmes ressources. Mais je dirais qu'il y a autant de ressources humaines du côté du procureur que de la défense. I think for the defense to stop playing the card of they don't have enough resources compared to the prosecutors. De l'interprète, il y a deux fois plus de ressources humaines du côté de la défense que du côté du bureau du procureur. Nous gérons nos ressources différemment. Nous procédons par rotation. C'est la méthode que nous avons choisie, mais cela ne veut pas dire que nous ayons un avantage. Mais il semblerait qu'on aurait un désavantage en termes de ressources et en termes de temps. Final point on the issue of the prosecution examining two witnesses first, and then the defense following. The other reason that is unfundamentally unfair. Avant que la défense ne puisse procéder à leur interrogatoire, nous pensons que c'est fondamentalement inéquitable. To what the defense à mesure qu'avance le procès, question witnesses about nous réagissons when it is their turn. Par rapport aux questions posées par la défense lorsqu'elle procède à son interrogatoire. Chaque fois que nous sommes dans un segment, comme c'est le cas maintenant, le prochain témoin qui interviendra est un témoin important. La défense aura de nouvelles théories, de nouvelles questions auxquelles elle aimerait poser à ce témoin. Nous prenons tout cela en compte lors de l'examen du prochain témoin. J'affirme que nous sommes désavantagés, défavorisés, si nous ne pouvons pas entendre l'interrogatoire du témoin de TCW 816 par la défense avant de procéder à l'interrogatoire de Doic. Nous avons le droit d'entendre ce que la défense voudra essayer d'établir en ce qui concerne le témoin de TCW 816 avant la comparution du prochain témoin. The length of the adjournment. Mon deuxième point, c'est la durée de la suspension du procès. J'ai déjà fait des observations à ce sujet. Nous pensons tout simplement que cette demande, la demande de suspension est beaucoup trop longue. La Chambre a déjà accordé une semaine supplémentaire à la défense. C'était raisonnable, à mon sens, et je pense qu'une suspension de trois semaines est déraisonnable. The core issues relating to S21. Quelques observations. The core issues relating la question to the remaining essentielle witnesses concernant S21, concernant les témoins restants, have been part of this case ces questions font for partie the last du 8 or 9 years that both ans. Sides have been working. Les deux parties ont travaillé là-dessus. Cela fait 8 ou 9 ans que l'on planche sur and, cette affaire. I will acknowledge that there are new issues certes, that arise from the new OCIJ list that we'll talk about that à la nouvelle liste next. Des coches d'instruction, je but vais if the defense seriously wanted si to try to show that there were only 5,000 prisoners at S21, a proposition we think is simply absurd. If they seriously wanted to do that, notre nous, they should notre have started si a long time ago, prouver, elle aurait whether dû, in Zilab il y a longtemps, or DC via Zilab ou avec le DCCAM, elle aurait dû examiner les pièces sous-jacentes. Second, in terms of the length of time, deuxième point, concernant la durée de la suspension demandée, n'oublions pas une chose. La défense a déjà interrogé une fois Doic, la défense de Nunchea. Elle s'est préparée à interroger Doic durant deux journées et demie dans le cadre du dossier 002/01 du 1er au 5 avril 2012. When you put it in that perspective, I think the si on voit les choses ainsi, on comprend que cette demande de suspension de trois semaines est tout simplement déraisonnable.
The specific issues, other issues that are raised in their briefs, les autres points soulevés dans la mémoire de la défense, à savoir qu'il y a des nouveaux documents à examiner. That is always the case. Tout cela we are always at this court having to deal with new briefs, n'est pas nouveau. To multitask, il faut toujours en permanence faire plusieurs choses en même temps, examiner différents points, réagir à différentes questions, et la défense est autant en mesure de nous que le faire. So let me get to a proposal that we have. J'en viens à notre proposition. Recognize that this new OCIG comme nous list, admettons que cette nouvelle liste du Bureau des collèges d'instruction est significative, everyone, I think, has understood, including Doig himself, has et recognized chacun, that the 12,000 number, que le chiffre initial de 12 000 était faible. Lui-même a toujours reconnu qu'il y avait plus de prisonniers que cela. Now we have à présent, on a une nouvelle liste établie par une personne qui a réexaminé les documents. Et à présent, ce chiffre est de 15 000 prisonniers. C'est une différence significative. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas le cas. This new list, particularly the Excel spreadsheet, is a very valuable resource. Le fichier Excel est une ressource très importante. Pour moi, ce n'est pas un fardeau, c'est au contraire un atout. En effet, you can now very quickly pour préparer les audiences, on peut à présent rapidement filtrer les informations, retrouver des groupes de prisonniers, retrouver des noms individuels. On peut privilégier telle ou telle période. I think this list is very donc, valuable, à mon sens, but I also do recognize un outil précieux, mais that it does present en même temps some new issues, and it is important that it be properly used and supported. Our proposal, Your Honors, j'en viens à notre proposition. Because, in fairness, the work of équité, trying to verify this prisoner list, this new one, vérifier is not cette something nouvelle so much that will be done through witnesses on the stand. Ne sera pas vraiment fait it is more a matter témoins of à la barre. People, if they wish, checking the chacun underlying pourra plutôt records, vérifier le cas échéant, les pièces the underlying records, to verify whether there are names that shouldn't be on there, s'il y a des noms qui ne devraient pas être dans la liste, are names pour that vérifier have been s'il y a des noms qui manquent. I'm sure both sides will be doing les deux that. Parties, je pense, and j'en that suis will sûr, be a le process feront. That will continue. But that is et c'est un processus that, qui va se poursuivre. The process of verifying this new mais list je le répète, la vérification prendra documents. Principalement la forme d'une vérification de documents. At the same time, there may be some additional en même temps, questions for witnesses peut-être que des questions so with that in mind, here is a proposal that Mr. Kumjian came up with. I think it is a very good c'est une one proposition de Monsieur Kumjian, qui me semble très continue bonne. With the trial, cela permettra de but at faire the same avancer time, le procès, give both sides, tout en laissant prosecution and defense, à l'accusation et à la défense to continue looking at this new pour list. Continuer à examiner cette nouvelle liste. What we have in mind is that we would notre idée as est la suivante. Le procès se poursuivrait. On entendrait deux TCW 816 pendant ces deux jours. Doig, ensuite, on commencerait à entendre Doig. Ce serait jeudi. But that we will break up. We suggest breaking up Doig. Nous proposons de scinder l'interrogatoire de Doig. Instead of nine consecutive on n'aurait pas neuf jours consécutifs. To five on aurait days, plutôt cinq jours starting Thursday, à compter de jeudi. Then puis, 4 days, on aurait which would une be période delayed de quatre jours perhaps the end of the internal purges segment, et on perhaps attendrait the end, which la fin du segment sur les purges internes. Donc ce serait peut-être la dernière semaine du mois de juin the idea here que l'on continuerait that, avec Doig, donc juste avant les vacances judiciaires d'été. Days, donc l'accusation aurait deux jours, la défense deux jours dans un premier temps, la chambre dispose d'une journée pour interroger sure le témoin. First, je ne sais pas exactement qui va prendre la parole en premier. Days, mais en tout cas, on aurait tout d'abord cinq jours. The other 4 days of Doig les quatre autres jours be, de l'interrogatoire de Doig, ce serait à la fin du segment sur les purges. That would give people ainsi, who are working, on these new OCIG ceux qui travaillent lists, sur la nouvelle liste, sur les nouvelles listes du Bureau des collèges d'instruction, auraient plus so de temps pour digérer ces nouveaux when documents. We get to the end of the purges segment, quand on arrivera à la fin du segment sur les purges, on and pourra citer un nouveau duc à comparaître time, et chacun each, aura assez de temps, à savoir him, deux jours chacun, and pour to l'interroger. New issues arise from these,
from the OCIJ list, they can incorporate them at that time. That is a way we believe we can proceed. À notre avis, c'est une façon de faire. Some time. La défense aurait give the prosecution time too. L'accusation aussi. With this new material, pour digérer cette nouvelle liste, mais le travail important pourra se poursuivre dans ce prétoire. Anticipating the defense response that we need, je m'attends à ce que la défense we need this courtroom. We need to be out of this courtroom in order to prepare. Qu'elle a besoin I simply de temps think hors du prétoire that is pour préparer. Not a reasonable je ne pense pas request. Que ce soit raisonnable. These are big comme defense demande. Teams. They have Les équipes to multitask. De défense and like sont grandes. I said, elles doivent faire plusieurs choses en même temps. Reviewing et comme je l'ai dit, OCIJ list is l'examen mostly a work de cette for liste a few du BCJI going through the underlying records. I do not think consistera à examiner les pièces sous-jacentes et quelques personnes peuvent s'y employer. Je ne pense pas du tout que la défense de Nunchia dans son ensemble ait besoin de trois semaines pour le faire. Du point de vue du calendrier, notre proposition est la suivante, le témoin suivant, deux journées, ensuite Doig à compter de jeudi, une journée cette semaine, ou deux journées cette semaine, on achèverait ensuite la semaine prochaine, la semaine suivante, on commencerait à entendre les témoignages sur les purges, cela se poursuivrait, et à la fin du mois de juin, on rappellerait Doig pour quatre journées d'audience. Voilà notre proposition. To deal with the situation. Yes. The other advantage of this is cette proposition présente un autre avantage aussi. The court has raised that there may be problems la chambre with Doig testifying 9 days in a row. Qu'il pourrait y avoir des problèmes si Doig était entendu pendant 9 jours d'affilée. Donc si on scinde son interrogatoire, ce sera peut-être plus facile. Compte tenu de sa situation, de son âge, etc. Ce serait préférable qu'un interrogatoire de 9 jours d'affilée. Voilà donc la réponse du bureau des coprocureurs. Je me tiens prêt à répondre à toute question. Le président. Thank you, Anne-Line, and we're going to floor to the lead co-lawyers for your parties to respond to the two requests by the Defense Counsel for Nunchia, who provided a summary this morning. You may proceed. Deux demandes qui ont été présentées de façon résumée ce matin. Je vous en prie, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Sur la première requête de la défense de Nunchia quant à l'admission de documents sur la base de la règle 87.4, nous n'avons pas d'objections particulières et nous nous en apportons à l'appréciation de la Chambre. Quant à la deuxième requête de la défense de Nunchia, je souhaiterais formuler les courtes observations suivantes. Le 12 mai dernier, la Chambre a rendu une décision prévoyant un ajournement d'une semaine pour permettre to allow à la défense, the defense, mais aussi aux autres parties, de vérifier ou de formuler des observations et des documents. Trois types de documents devaient être vérifiés pendant cette période d'ajournement. La nouvelle liste de prisonniers établie par le bureau du juge d'instruction, l'ensemble des documents ayant servi de base à l'établissement de cette liste, le nouvel album photo fourni par DCCAM, et puis, par cette décision, la Chambre permettait à la défense de Nunchia de préparer de nouvelles observations pour clarifier certaines certain préalablement requests faites that were made prior la défense. By the defense. La question que now, nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir today si, is, whether, dans ce temps, in this de une lapse semaine, of time of la défense, week, mais aussi if dans the une defense, certaine mesure, les parties as well as the civil parties, ont été en mesure de réaliser ces différentes tâches, et notamment these different tasks, de vérifier and in particular, et d'étudier to and to la nouvelle liste the new du bureau des juges d'instruction, of the OCIJ, l'ensemble des documents qui ont servi that were à l'établissement de cette liste, et list, le nouvel album photo and de the new, photo album by DCCAM. La remarque que je souhaiterais faire sur ces documents, like c'est qu'il existe
there un réel problème is sur a real problem les documents regarding the documents qui ont permis that were used de la liste to establish this prisoner list by the OCIJ. And I can say today certains that some of the documents that were admitted by the chamber and that form the foundation of this list are not accessible while we're speaking now. They're not accessible on Xylab. La défense n'est pas en mesure de vérifier ces documents, mais aussi les documents, but it's the same for the civil parties. The civil parties cannot check these documents either. Donc, so, tant qu'il n'y aura as long as there will not be a factual link between the documents that were admitted by the chamber Zylab, and Xylab, les parties ne seront pas en mesure de vérifier les documents, the documents qui ont formé that formed la base the base de la liste des of the OCIJ's prisoner list. Donc ce problème technique technical est réel. Is a real problem. Il peut éventuellement avoir des implications en termes de temps. Et sur ce point précis, and regarding this specific point, we would like to rely on the chamber's wisdom so that the chamber may find the way, the technical means, the human means that would allow us to solve this problem in the most expeditious way possible so that we can all les documents check qui ont the documents admis that were admitted and that are used as the base for this new list, which is important for the defense, which is important for the prosecution, but which is also important for the civil party lawyers. We have a certain number of civil parties, an important number of civil parties whose relatives died at S21. This new list from the OCIJ constitutes also for us an extremely important tool, and of course we would like to be in a position to check the documents that form the basis of this list. Now, regarding the proposal, the concrete proposal that was made by the co-prosecutors, well, I must confess that, of course, it was impossible for me to talk about this with Ankpik, my colleague, and the other lawyers. So, therefore, at this, regarding this, I must rely on the chamber's wisdom on the way to organize the testimony of the witnesses to testify so that the parties may check all of the elements in the list and for the trial to take place in the most expeditious way possible. Thank you. Le Président. President, and now the floor is given to the defense team for Mr. Nguyen Chi, as said, the President. Now you have the floor first, counsel for Kyo Sampan. La défense de Kyo Sampan. Kong Samon. Maître Kong Samon. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Your Honours, everyone in Madame, and Monsieur around juge, the in relation to the request of the defense team for Mr. Nguyen Chi, we, the defense team for Mr. Kyo Sampan, have no objection to the admission of the documents. However, in relation to the request for additional time, we responded that matter already. Nous avons déjà donné notre réponse. We addressed this matter already before the chamber, and we now à présent support the request of Mr. Nguyen Chi's defense team in relation to additional time. In fact, we do not have sufficient time to work effectively on our pour faire efficacement notre defense travail. Team. The co-lead lawyers for civil party made mention already about some documents which were documents disclosed recently. We have been disclosed recently in relation to the revised list of S21 prisons, and we need also to examine the other documents in relation to Chen Ai. We, in addition to that, needs to examine document E319/47, and there are humorous documents that we need to study before we start to question the two last witnesses on S21, Luke and another witness, which is being called today.
Again, we do not have sufficient time to examine and study all those documents so that we can use before the testimony of Duyck and another witness. And I believe that the additional time is very necessary and it can provide sufficient time for the defense team for Mr. Kilson Pond to defend our client diligently. D'assurer efficacement and in the in relation to Duyck, the witness who concernant will come to testify. Duyck, à présent. In fact, as far as we are concerned, the K002 has a break into different segments, and now we are examining S21 the fact. Il y a notamment différents segments, et à présent, nous en sommes à examiner. Because of the different segments of the trial, we need time to study on the different facts and documents. Nous avons besoin de temps pour examiner différentes questions, I différents do not really understand the submission of the international co-prosecutor, du co-procureur international. Particularly the submission on the additional time surtout the co-prosecutor agrees to provide one additional week after the testimony of the last two witnesses. Que l'accusation a accepté and I un have délai heard d'une semaine. The co-prosecutor says that or l'accusation, à présent, giving additional time to the defense team will jeopardize the que si l'on accordait du temps supplémentaire à equal défense, in arms cela of the parties. Au principe de I believe that armes. The co-prosecutors have facilities, have all facility and proper time les ressources to nécessaires et de tout le temps nécessaire prepare their case. Pour préparer son argumentaire. So I believe that there is nothing jeopardize the equal of arms l'égalité of des the armes parties. N'est donc nullement en péril. I don't believe that this will have any implication on the equal of arms, particularly when we request for additional time. Je pense en particulier à notre I believe that the chamber has had its des practice armes. So far, particularly ailleurs, in relation ici, to la chambre a appliqué une telle TCW démarche. 1000. The chamber at the time provided the opportunity for the co-prosecutors to put questions first, and then there was an adjournment before ensuite, the defense team started to question that to TCW 1000. That decision was appropriate cette because était judicieuse. It was appropriate for the party, and this should be also applied in the et case of une telle décision witness, doit à nouveau être rendue the upcoming witness, that is Duyck. Dans le cas du témoin suivant, à savoir Duyck. So I believe a time, additional time should be given to the defense teams so that they can have opportunity to study and examine the documents and for the reason that they could defend the interests of the clients ceci effectively. And I believe the 3 weeks, the additional time of 3 weeks is very appropriate so that we have opportunity to study and examine all relevant documents. Thank you, Mr. President. Can I just ask a question to the prosecution? You made this suggestion 5 days now, then the purges, and then ensuite 4 days les later. Purges et ensuite now, 4 jours. To me, that sounds a bit like we also need more time to study all the j'ai l'impression documents. Que ça veut dire que vous avez aussi besoin de plus de temps pour examiner les documents. Is this correct? And est-ce exact? If so, si oui. In case the chamber decides not au to cas go où la with the suggestion, would you still be ready de rejeter la proposition, to proceed seriez-vous néanmoins prêt with the original schedule?
procéder comme prévu initialement, ou du moins conformément au calendrier selon lequel Duyck serait entendu en une seule fois. L'accusation. We will always do our best. Nous allons en toutes circonstances faire de notre mieux pour être prêts au moment où vous déciderez que nous devons interroger un témoin. Can benefit Je from this pense new list. Que toutes les parties peuvent tirer parti de cette nouvelle liste. Sort of delay, et s'il y a des retards, il faut que les deux parties soient à égalité dans cette situation. Je suis prêt à interroger Duyck quand vous le déciderez. Je ferai de mon mieux. Mais est-ce que je tirerai parti d'un délai supplémentaire et d'une scission de l'interrogatoire? Bien sûr que oui. Ce que je dis, c'est qu'on ne saurait avantager une partie. Si nous interrogeons un témoin, tandis que l'autre partie dispose de trois semaines de préparation, ce n'est pas égal. Cela dit, and do the best we can nous devons with the time tous we have. Faire so, de notre mieux en fonction du temps dont nous disposons. Quelle que soit votre décision, nous tiendrons prêts. Le Président. President. And now the floor is given to the defense team from Mr. Nunchia to register his reply. Yes, thank you, Mr. President. Let me Maître reply Cooper, first merci. To Je vais d'abord what the prosecution has répliquer said in relation aux arguments to, de l'accusation those S21 documents, concernant les documents de S21 qui ont été présentés à un moment ou à un autre aux témoins à venir. It is certainly not our intention to have Nous n'avons nullement l'intention documents admitted again. De faire admettre à nouveau certains documents. Nous avions l'impression que ces documents, notamment ceux du dossier 001, n'avaient pas encore été admis en tant qu'élément de preuve avec une cote E3. C'est peut-être une erreur de notre part. Pour la deuxième partie de notre demande, nous la retirons dans la mesure où des éléments ont déjà été déclaré recevable. Toutes nos excuses pour la confusion qu'aurait pu entraîner cette situation concernant cette compilation de documents. Je vais répondre à l'accusation à présent concernant notre demande de réexamen de notre demande. Let me respond by saying that I have to smile a bit. Cela me fait quelque peu sourire quand j'entends l'accusation nous parler de l'importance de cette liste du BCJ et de ses sources sous-jacentes. Je rappellerai que le 31 mars, quand nous avons soulevé cette question, et je vais citer, le BCJ a seulement créé des sous-listes et il n'y a pas de preuves spectaculairement nouvelles concernant S21, c'est ce qu'avait dit l'accusation. Ensuite, le 2 mai, l'accusation a dit, je vais citer, ne vous inquiétez pas, ces documents existent depuis bien longtemps. La défense, dixit l'accusation, aurait déjà dû examiner ces documents depuis bien longtemps. Et à présent, also the prosecution finally je constate que l'accusation, finalement, elle aussi, trouve que cette nouvelle liste du BCJ est significative. Et les avocats de la partie civile disent, je suis d'accord, que les documents sous-jacents et la liste sont, je cite, extrêmement importants. Ça a pris du temps. Mais à présent, enfin, nous sommes, semble-t-il, sur la même longueur d'onde concernant l'importance de cette nouvelle liste et des documents sous-jacents, et concernant également l'importance qu'il y a pour toutes les parties à pouvoir examiner ces documents sous-jacents pour les vérifier et les recouper. Cela dit, je souris quelque peu quand j'entends l'argument de l'égalité des armes qui est avancé. Outre le fait que l'égalité des armes est un droit reconnu à la défense pour protéger l'accusé et non pas un droit reconnu à l'accusation. Ce principe n'est pas d'application non plus en l'espèce.
Dès lors que les principaux problèmes sont notamment le fait que l'accusation a déjà eu beaucoup de temps pour examiner les différents documents dans le dossier 00. Certes, nous avons pu interroger Doig durant la première partie de ce procès, mais ça ne concernait pas S21. S21 ne faisait pas partie de la portée du procès 002/01. The equality of arms and the strong resistance of the prosecution. L'égalité des armes et la réticence de l'accusation à interroger un témoin pour ensuite observer une pause avant que cela soit le tour de la défense, eh bien, je ne comprends pas, compte tenu de l'énorme avantage dont jouit déjà l'accusation pour ce qui est de S21 et de Doig. L'accusation a commencé à interroger et à enquêter dès 2006. In addition, I must note that what we have suggested outre, is something which is common practice. Notre proposition est une pratique fréquente au TPIY. Là-bas, apparemment, il n'y a pas de problème à procéder ainsi, surtout quand les témoins sont âgés. Par exemple, l'accusation commence, puis il y a une pause, et c'est ensuite le tour de la défense. C'est un mécanisme qui est largement appliqué au TPIY et je ne comprends pas la résistance de l'accusation à ce sujet. Saying that or doing a count of all defense lawyers, all defense team consultants, a comptabilisé le nombre de juristes et de consultants de la défense, cela n'a aucun sens. Opportunity, even I'm forbidden to do so. Il m'est interdit moi-même de le faire ou de discuter de toute question concernant les équipes des dossiers 3 et 4. Donc, comparer le nombre de consultants de juristes chez l'accusation et à la défense est parfaitement absurde. En réalité, ici, c'est moi asking questions qui and interroge at one point, les témoins et on peut l'espérer, que de temps en temps je puisse être remplacé par un juriste hors classe de la défense, mais au bout du compte, c'est moi qui suis ici pour interroger le témoin. Or, il y a une rotation constante chez l'accusation. D'ailleurs, dans ce segment, nous avons déjà vu 5 ou 6 membres différents du bureau de l'accusation. Summarizing, we maintain our request. En résumé, nous maintenons notre demande. Nous avons réellement besoin de temps supplémentaire pour que je ne doive pas être dans le prétoire et pour que je puisse correctement examiner moi aussi les nouveaux documents sous-jacents. Nous maintenons donc notre demande. Hello. President, Councilor Koppe, please be on your feet. Maître Koppe, oui, I have two veuillez questions. Vous lever. J'ai deux questions. In relation to your request for concernant 3 weeks adjournment, votre demande is that de suspension the 3 weeks, de procès pendant 3 semaines adjournment that we already est-ce had, qu'il s'agit de 3 semaines en plus des 2 semaines dont vous avez déjà bénéficié? Première question. For 3 week adjournment was est-ce the original votre request and that de the 2 weeks of that had already been adjourned so that you only need one additional week. Demande initiale. Secondly, 2 semaines vous ayant déjà accordé, vous reste besoin que d'une semaine supplémentaire. Such a decision, troisièmement, au cas où la Chambre venait à prendre une telle décision, and that only the prosecutor will put question to the two witnesses, seul the main witnesses in 02/02, à poser des questions aux témoins. Would it be flexible for les the chamber to hear other witnesses 02. Relation to other facts, or you la prefer to have this one exclusive week off? D'autres témoins thank you, Mr. sur d'autres segments où vous vouliez une suspension question, intégrale des no, débats pendant cette semaine. Full 3 weeks la défense. Pour répondre à votre question, j'aimerais 3 semaines après so l'examen par those 2 weeks that
bureau des coprocureurs. Après l'interrogatoire du bureau des coprocureurs, les deux semaines qui nous ont déjà été accordées ne sont pas incluses. Il s'agit de trois semaines supplémentaires, hormis les deux dont nous avons déjà bénéficié. Yes, the pause in between. Yes, yes, we do need a pause in between. La défense. So no, nous avons besoin d'une pause relating to entre the purchase. So we really do need a time les deux without any, suspensions. Trial il n'y aura donc pas de témoins liés aux purges internes. Une suspension complète des débats sans audience sur les purges internes. Just a few points l'accusation. In response to the various comments here. Quelques éléments de réponse. On the technical issue, sur le plan technique, the documents, the new underlying lists are not available under their E3 numbers, but I believe that they are available sur la côte if you search E3, the ERNs mais elle est disponible si on fait une recherche on shared material drive. I think their ERN motion recognizes le that they partagé. Were able to download them. So I think that the certaines personnes issue, ont pu télécharger ces listes. The parties are referring to, les parties it's just a matter of searching fait by partie. The ERN on the shared materials drive rather than searching on parlait des difficultés by techniques, the E3 number. Et c'est parce qu'elles ont fait une recherche par second, côte E3 et non pas par numéro de RN sur le lecteur partagé. We are not aware of any precedent at the ICTY. Nous ne sommes au courant d'aucun précédent au TPY. Mr. Kumjian has spent extensive time there. Mr. Kumjian there is no passé such énormément procedure. De temps. Une telle procédure n'existe pas. Council is suggesting it's not cited in their, telle que in, le suggère le Conseil de la Défense. What they are asking for et here cette approche is n'est pas invoquée dans cette demande. Just so I'm clear, Judge Fenz, j'aimerais if there is going to préciser, be any sort of delay here, Madame we have Fenz, the right que s'il to spend some additional time que going over that list, too. My point is simply, we will always be ready ou des to do the best we can, whatever you decide. Il faudrait que cela soit avantageux pour toutes les parties. En ce qui nous concerne, nous essaierons de faire de notre mieux pour nous conformer à la décision de la Chambre. And not hear any pour ce qui concerne witnesses, again, une suspension intégrale, I think the defense team, as the prosecutors do, have to multitask. Je ne suis pas contraire au segment des purges internes, mais il faudrait accomplir des tâches multiples simultanément. La question des purges internes de l'arrestation des cadres a été évoquée à chaque moment de ce procès. Spends usually at least half of his time Maître questioning Coupeux witnesses on issues of purges, alleged treason and traitors and arrests. So I don't understand how the defense team could say that they need to have the time completely off. La défense voudrait une suspension intégrale sans qu'on ne puisse entendre des témoins sur les purges internes. To say that, yes, we examined Doig, but it wasn't about S21. C'est vrai que nous l'avons interrogé, he needs to read the mais record. Pas sur S21. Maître Coupeux devrait lire Mr. Pessman examined him extensively about S21, about confessions, about the process, about his client's involvement. S21 sur l'implication de son client, false to la say responsabilité that de son client. They did not examine Doig already about S21. In terms of case 001, correction l'interprète, là, I didn't work on that. Our principal lawyer, you recall, was Alex Bates. Son client. He left at the end of that proceeding. So to suggest that myself or most of the other lawyers have some advantage over the defense is simply false. Et dire donc que l'accusation a un quelconque avantage par rapport à la défense est complètement erroné. With respect to the next witness to TCW 816, we recognize that is a witness who also has some knowledge of the list. Il s'agit d'un témoin qui a une certaine connaissance de ces listes. We also propose, or suggest at least, that the trial nous chamber be open que la chambre de première instance to an additional day soit ouverte later at the end of the purge segment, une journée à la fin either the prosecution or the defense, after going through the new list, et la défense, après feels avoir that they have additional liste, questions estime for avoir TCW 816. À poser au témoin we think it would be reasonable 816. To bring that witness alors back nous pensons qu'il serait raisonnable de rappeler ce témoin pour un jour supplémentaire si les deux parties y conviennent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.
Thank you, Mr. President. De courtes observations en réponse, tout d'abord sur le problème technique. In response, first of all, to the technical j'ai demandé problem. À mon équipe de vérifier et je persiste à dire que tous les documents ne sont pas disponible à l'heure où nous parlons sur le Shared Materials Drive, le SMD, et qu'un nombre conséquent de documents ne sont toujours pas liés à Zilab, ce qui retarde considérablement les recherches. Donc c'est l'état actuel du problème technique à l'heure où nous parlons. Sur la proposition de l'équipe de la défense de Nunchia d'avoir une première partie consacrée à l'examen par l'éco-procureur et j'imagine dès lors les parties civiles et une deuxième partie par la défense. Je rappelle que nous sommes dans un système de droit romano-germanique, qu'il s'agit de témoins de la chambre, il ne s'agit pas de témoins de l'accusation ou de la défense. Il n'y a pas d'examination in chief and the cross-examination ici. Il s'agit de témoins de la chambre qui sont entendus par les parties. Les parties posent des questions en continuité. Je sais bien qu'il y a un glissement permanent de cette chambre de vouloir tirer toujours la procédure vers un système de common law, mais je pense vraiment que c'est une erreur. Il n'y a pas d'examination chief, il n'y a pas de cross-examination. Ce sont les témoins de la chambre. Et il me semble dans l'intérêt de la manifestation de la vérité que les témoins soient entendus en continuité et questionnés par les coprocureurs, les parties civiles, la chambre et la défense. Encore une fois, nous sommes dans un système radicalement différent de celui qui prévaut au TPY. Je vous remercie. Les équipes de défense veulent présenter les observations relativement à la dernière remarque des coprocureurs et de la coavocate principale pour les parties civiles. It seems not. Apparemment pas, dit le procureur. The chamber now discuss the second chambre, issue that is the request by the international deputy co-prosecutor to admit into evidence the written records of interviews and documents in Annex 47 pursuant to Rule 87.3 and 87.4, which was submitted on 5th May 2016, that is document EC19/47. And on the 11th May 2016, the Defense Counsel for Hills and Pond made a request to delay the response until the 13th of June 2016, that is document E319/47/1. And on the 16th of May 2016, the Chamber notified the parties via email of its decision to grant in part the request by Kiel's and Trois Defense to make an oral response to the request by the co-prosecutor to be made on Monday, 23rd May 2016. The request by the deputy by the international co-prosecutor is to admit written records of interviews as well as documents in the annex, and seven of those WRIs are related to S21 Security Center. And due to the urgent matter of this issue, the chamber wishes to hear responses from parties orally to this matter, so that the chamber can use them as a basis for our decision. Qu'elle puisse s'en servir pour fonder sa décision. Each party is granted 20 minutes. Chaque partie aura 20 minutes. And the floor is first given to the lawyers for civil parties to make observation or to respond to the request by the deputy by the co-prosecutor. Ou répondre à la requête des coprocureurs. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et je serai très brève puisque nous nous en remettons à l'appréciation de la Chambre quant à cette requête. Decision or the Chamber's
discretion as regards that petition. Je vais passer la parole à l'équipe de défense de Nunchia pour répondre by the international co-prosecutor à la requête des co-procureurs. Maître, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. We have no observations. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas d'observation. Lastly, I'd like to hand the floor to the Defense Council for Kyiv Sampo. Je vais passer la parole au Conseil de la Défense de Kyiv Sampo. Mr. President, once again, good morning, Your Honours and everyone. La Défense de Kyiv Sampo. Merci, Monsieur le Président. I have some Bonjour observations to make in relation to E319/47 by the co-prosecutors. Présenté par les co-procureurs. And I'd like to make our responses to the submission by the International Co-Prosecutor on 5 May 2016 to admit 47 documents into evidence. Those documents were from cases 3 and 4. Among the 47, 19 of them had been disclosed to us, as for the rest, that is 28 documents. We could access them on the 10th of May 2016, a day after, that is 11 May 2016, we made a submission to the trial chamber to extend the time to respond to that submission. En prorogation de délai, that is document EC19/47/1. We request for additional time to respond, notamment demander un délai supplémentaire, that is from that time until today. That is until the last day of the judicial recess, c'est-à-dire à la fin de la période de vacances judiciaires, so that we are able to prepare ourselves to question the two last witnesses in relation to S21 sur S21, as well as to give us time to review the new S21 list of prisoners, as well as d'examiner la nouvelle liste newly de S21 documents, et les documents nouvellement admis, since those documents are the basis to form the new prisoners list. We stated earlier that a majority of the documents requested by the international co-prosecutors and the written records of witnesses to replace their live testimonies in the proceedings in case 002/02. Some of them had already testified or are going to be testified by the chamber. Ou qu'ils le seront. We also confirm that the five documents that the co-prosecutors identified are related to S21 and the written records of some witnesses who had been summoned or had testified. And for that reason, we have no objection against the said five documents. On 16 May 2016, le 16 mai 2016, at 3:23 in the afternoon, the chamber made a decision and notified the parties via an email. Vous avez rendu une décision that since there are only seven documents related to S21, dans laquelle we were required to respond to the request for the admission of the seven documents before we hear the testimony of the witness today. The trial chamber also added that at the same time we had to respond to the entire request by the co-prosecutors. We are not really sure of that request. Nous ne comprenons pas we très do not bien see the urgent need to respond cette to décision. The request nous ne comprenons to pas admit the WRIs in hearing in place of hearing the live testimonies. De déclaration écrite au lieu et place de témoignage oraux. And that is in relation to some topics which were already discussed concernant or les autres some thèmes other topics that are going to be discussed.
And we are still qui sont déjà passées et ceux à venir. Nous comprenons d'autant moins qu'à ce jour, vous n'avez toujours pas statué sur la demande, la dernière demande du même genre, déposée par l'accusation, document 319/36, déposée il y a 6 mois, to that request 5 months ago, et à laquelle nous avons répondu il y a 5 mois. Since we cannot do many of these tasks at the same time, we prioritize ourselves in preparing to question witnesses. Nous avons donné la priorité à la préparation des témoins. And today we would like to respond to the submission by the co-prosecutor at this document E319/47. And we have not yet read all those newly documents requested by the international prosecutor to be admitted as evidence in the case filed. Dont il demande le versement en preuve. Up to today, we do not have the facility to review the 17 documents. Nous n'avons pas été en mesure d'étudier correctement. Which have previously been disclosed. Les 19 documents précédemment communiqués. This means that we are driven to meet the urgent need of the other parties and which are not serving the interests of our client. Qu'on nous demande de travailler dans l'urgence. For that reason, we object to the principle of the need for us to respond fully to the submission by the co-prosecutors, except in relation to only the 7 WRIs of witnesses who were testified or who are going to testify. Sauf en ce qui concerne les 7 déclarations des témoins cités à comparaître ou ayant déjà comparu, 37, 38, à savoir 49, le document 40, numéro 28, 41, 37, 38, 39, 40, 41, 43 de l'annexe le 319/47.2. As for the other 40 remaining documents, they do not satisfy the criterion stipulated in Rule 87.4 and 87.3 of the ECCC internal rules. Intérieur. And I'd like to provide the general ground for our objection. Je vais d'abord vous exposer les raisons générales de notre opposition. Mentioned specific objections to some of those documents. Mais je reviendrai ensuite sur quelques catégories de documents en particulier. To the belated request. In paragraph 7 of the submission, the international co-procureur stated that le co-procureur international he sought permission from the demandé au juge d'instruction co-investigating judges to disclose those 47 documents through their successive 7 requests from 16 March 2016 to 25 April 2016 déposés successivement entre le 16 mars 2015 et le 25 avril 2016. 6 of the requests à la note de bas de page 12 were made in 2015 and the 7th ont été request en was submitted on the 25th April 2016 et la 7e déposée le 25 avril 2016. In the same paragraph 7, toujours au même paragraphe 7, the co-prosecutors also stated that the co-investigating judges l'accusation indique approve those requests on the 17 December 2016, 25 January 2016, 29 January 2016, and 25 April 2016, et 25 avril 2016. And in footnote 13, selon la which refers to the decision 13, of 25 April 2016, renvoyant à la décision du 25 avril 2016, the OCIJ responded to the request by the co-prosecutor le co-juge d'instruction répond à la demande de l'accusation and that le request même jour. Is to deal with only one document. Requête qui ne concerne a priori qu'un seul document. In their request, the co-prosecutor did not provide any explanation as to the reasons why ne they have to requête, wait until May 2016 to
make a request to admit into evidence the 46 documents when they are fully aware of those documents and that they actually request for their disclosure in 2015. And that they received the permissions by latest January 2016 and accept one document which was requested and received a response from OCIG on the 25th April 2016. This clearly shows the negligence on the prosecutor's side. L'accusation a fait preuve. This also clearly shows through the facts that the co-prosecutors only made the request now to admit into documents the WRIs of witnesses whom they propose to testify demande seulement maintenant l'admission en preuve and that some of them actually provided their testimony during the last few weeks in relation to S21 et qui ont comparu while ces dernières semaines sur S21. The co-prosecutor himself knew that the trial chamber actually decided to hear those witnesses since 7 March 2016. Depuis le 7 mars 2016. The second point in relation to this part is that those documents are not conducive to ascertain the truth. Ces documents ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité. Most of the requests by the co-prosecutors to admit into evidence the WRIs of witnesses in lieu of their live testimonies. De déclaration écrite au lieu et place de témoignage oral. And thus the trial chamber only provided a minimum value of credibility of those WRIs. I refer to the judgment E313, paragraph 34, and footnote 94. Portant la courte E313, the co-prosecutors only raised the matter of relevancies of those WRIs, but failed to explain la pertinence the need to have those documents or the whether they are conducive to ascertaining the truth. De cette déclaration serait particulièrement utile à la manifestation de la vérité. To have the documents of very minimal value during these important stages of the proceedings, while there are thousands of documents which are more important and more value already exist in the case file related to the same subject matters, and if they are of important value in ascertaining the truth in this matter and for the interest of justice, why the co-prosecutors do not propose to hear testimonies pourquoi of those witnesses? Ne demande-t-elle pas la comparution de ces personnes? In conclusion, as for the general observation, the request by the co-prosecutors failed to satisfy the criteria stipulated in Rule 87.4. Les conditions de la règle 87.4. Now, on specific issues in relation to those requests, I'd like to make some mention of certain documents. The first batch of them is documents related to S21 and the documents that we do not draw objects to and the documents labeled as S21 documents and there are five of them and they are the previous statements of witnesses qui sont des déclarations antérieures de témoins have testified or who will come to testify et ont déjà comparu. In our request for extension, we, as we stated there, we do not oppose these five documents. Nous avons déjà dit dans notre demande and in relation to the two documents identified by the trial chamber, and the trial chamber actually identifies two additional documents that are related to S21. La chambre a identifié deux autres documents concernant S21. We assume that these two documents are documents
number 31 and 32 of Annex E319/47.2. And these documents are labeled by the co-prosecutors as related to the role of the accused. Classé par l'accusation dans la catégorie rôle des accusés. Based on a summary provided by the co-prosecutors, these two documents are likely à la lecture du résumé établi par l'accusation, about certain facts that semble traiter the OCIJ de fait did not investigate sur in lesquels case 002. Le juge d'instruction n'ont pas for that reason, we object to the admission of these two documents, nous nous y opposons, as they are not aussi relevant. And this is pursuant to Rule 87.3a. En application de la règle 87.3 du règlement intérieur. 87.3a. Now, for documents related to Khmer Krom, in footnote number 2 of E319/47, the international co-prosecutor states that he requests to the admission of documents related to Khmer Krom, as the co-prosecutors noted a decision by the trial chamber tout en that the trial chamber d'une décision stated de la that they were not seized of this matter, rappelant qu'elle n'était pas saisie de cette question. The trial chamber is of the view that in certain cases these documents are relevant. Mais estimant que dans certains cas de tels éléments in pouvaient être pertinents. In its previous submission, that is document dans les précédentes écritures, document E319/40, le procureur international avait précisé exculpatory evidence relating to false marriage. Qu'il ne communiquait pas d'éléments à des charges concernant le viol en dehors du contexte du mariage forcé, au motif que la chambre n'en était pas saisie. In the case of the Khmer Krom, the trial chamber was of the view that although they were not seized to examine these facts, in certain cases those documents dans certains cas, were relevant. Here I refer de tels to éléments pouvaient s'avérer pertinents. Of document je renvoie Number 3, documents related to individuals to be summoned. Certain documents requested by the co-prosecutors related to certain individuals who are to be summoned, but there is no decision on this matter yet. In cases where the trial chamber allows the co-prosecutors to la chambre a disclose autorisé those documents, à communiquer there is no reason to admit those documents into evidence as long as no decision has been made in relation to those witnesses. N'a été ni number décidé, four ni is related to the previously point disclosed 4. Documents. Il s'agit des documents précédemment communiqués. And before that, before I conclude, I'd like to make observations j'en in relation to the, to the 19 documents which have been previously disclosed. There are 7 of those 19 documents which are related with the testimonies of witnesses who have testified or who are going to come to testify. The other 12 documents have been disclosed by the co-prosecutors based on their obligations to disclose exculpatory evidence. And I'd like to draw the Chamber's attention on this, that since the disclosure of these documents
none of the defense team requested for admission into evidence those documents, and only the co-prosecutor who made such a request. And we object to these 12 documents for the same reasons that we have mentioned earlier, that these 12 documents do not satisfy the criteria stipulated in Rule 87.4 and 87.3. To conclude my response, I request the trial chamber to dismiss the request by the international co-prosecutors, except the 7 WIs in relation to witnesses who have been summoned or who have already testified. That is document in that is document number 28, 37, 38, 39, 40, 41, and 43 of Annex E319/4, 7.2. Thank you, Your Honor. Je vous remercie. President. Le président. Lastly, I'd like to hand the floor to the co-prosecutors to reply to the response. You may proceed. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Let me first address the timing of the filing of the motion. I think it is wrong. To call it il est faux de dire que cette requête est tardive. Let me explain that we are dealing with a new procedure nous sommes confrontés à une nouvelle procédure depuis la décision rendue par la Chambre en octobre-novembre dernier, me semble-t-il. À savoir que la communication doit se faire selon des modalités différentes. Nous avons donc complètement modifié la procédure que nous appliquons With these case 3 and case 4 WRIs. Dans le cas de ces PV d'audition des dossiers 3 et 4, it is now a two-step process désormais, for us. Il y a pour nous deux étapes. Première étape, to determine whether, il s'agit de déterminer any of the new interviews si contain any exculpatory material, nouveau document contient anything that would be considered des éléments pouvant être considérés comme à décharge. We went through something dans that is passé, actually a lot easier to do, which is c'était plus facile. Does this interview have il fallait relevant établir information to si a subject l'entretien in case 002, était pertinent par rapport à un thème so, abordé dans le dossier disclose. 002 et le cas that, échéant, il fallait communiquer. That could be done by cette tâche pouvait a être effectuée par toutes sortes de personnes dans notre bureau. C'était bien plus the facile. Assessment of whether or not a particular apprécier interview is exculpatory si tel or not PV d'audition est à décharge ou non, that requires en a revanche, fairly detailed understanding of this ongoing exigeant of this trial. Une compréhension beaucoup plus détaillée so de ce procès. We go through this first process il y a donc cette première étape in order to get the disclosures out as quickly as pour we parvenir can, that's aussi vite que possible à la communication view, du document, car c'est pour nous l'essentiel. Donc la question est de voir si we then have to go through a second il faudra step, le cas échéant communiquer le document. Ensuite, deuxième étape, on apprécie les PV d'audition et on décide si nous voulons demander leur versement en preuve that en application de la règle 87.4. Cela vaut tant pour les pièces communiquées que pour les PV d'audition qui ne l'ont pas été en tant que des pièces à décharge ou en rapport avec des témoins du procès. Process, si je vous dis ceci, c'est parce que was intended to result in fewer documents being admitted and disclosed. And that is the case that has happened. Et ça, but it does take us a little more time now to go through that process. Un peu plus and de we temps. Are quite careful now. Et à présent, we are being very selective in terms of what attention. We put into evidence nous as 87.4. I can tell you that the 40 some documents dont nous demandons le versement en preuve.
many hundred interviews. Et je peux dire que seul un certain nombre de documents ont été retenus parmi une centaine. Nous sommes donc très sélectifs. Nous sommes précautionneux au moment de rechercher des éléments à décharge. Et ça prend un peu plus de temps. But I don't think we have in any way been there has been a lack of diligence. On ne saurait affirmer que nous avons manqué de célérité. Nous avons fait aussi vite que possible. I think it's also a little bit hypocritical for the defense ailleurs, to be complaining about our 87.4 motions, which, se plaint de nos requêtes en application without de any question, concern new material, new evidence that has arisen in another case. They don't seem to have, dossier. The Cusimpan team doesn't seem to have any problem when their counterparts file 87.4 motions on the eve of a witness, sometimes asking for 15 new documents, taking back to one of the experts to be admitted, which is material which has been around for a long time. And I don't hear any complaints coming from that side of the aisle. La défense de Cusimpan ne s'est jamais plainte. There is a little hypocrisy here in terms of their approach to 87.4 motions. De la défense de Cusimpan concernant la position qu'elle adopte au regard des requêtes en application de la règle 87.4. Selon nous, des pièces doivent être déclarées recevables si elles aident la Chambre à établir la vérité. Excuse me. Whether it's the last minute 87.4 filings by the defense before witnesses are heard, whether it's our motions concerning the new interviews that are coming from the other investigations, the ultimate issue is, does it help this chamber ascertain the truth? And the Cusimpan team has argued, if we're not going to hear these people as trial witnesses, how does it help? That is a false procès du témoin, c'est inutile. Cet argument est erroné. Dans les cas d'atrocité de grande envergure, on ne peut pas citer à comparaître chaque témoin à la barre. Les éléments de preuve de nature à corroborer telle ou telle chose sont des éléments importants dans des dossiers complexes dans lesquels on ne peut faire citer à la barre tous les témoins. We're not proposing these people as trial witnesses means it's not relevant. It's a false. Leur comparution est dénuée de pertinence. Eh bien, un tel argument est fallacieux. There is an argument, a specific argument about la défense, interviews 31 and 32 on our annex, that these don't relate to the subject matter of this case. In fact, these are interviews that relate to purges and Crecy. There is a trial witness that your honors have selected to TCW 1005. You selected, and that's the very subject that this witness is going to testify about, purges and Crecy. De cela, des purges so I don't think it is correct to say that this is not an issue that is pertinent to this case. It is very pertinent. Khmer Krom, argument about the Khmer Krom, I think counsel is confusing two different issues. Confond deux choses différentes. What your honors ruled was whether Khmer Krom were part, si des treatment of Khmer Krom was part of the charges against the accused in connection with the genocide against the Vietnamese charge, and clearly you ruled et de toute évidence, la chambre a dit que ce n'était pas le cas. It is a different issue. Il y a une toute autre question qui est celle de savoir si les PV d'audition contiennent des éléments qui sont pertinents par rapport à la politique appliquée aux Vietnamiens. The Khmer Krom and the Vietnamese are very interconnected. And when you read these interviews, you will see that this evidence is very pertinent, showing the policy targeting the Vietnamese and anyone associated with them. So it is relevant. This remains relevant. To showing the policy, even though donc, Khmer Krom are not part of the technical même charges si, techniquement, les Khmer Krom ne font pas partie des chefs d'accusation retenus. The other point I wanted to address point suivant. Concerns the process with respect where we have these new WRIs for trial witnesses. I think the unfortunate thing that happened with the filing of this motion, and it was inadvertent, was that the motion was filed while one of these witnesses was testifying. Let me first remind you, though, that the witness interviews had been previously disclosed. They had been available to all the parties. They were promptly made available.
It's then up to the parties to choose whether they wish to use them with the witness. D'utiliser le document en question avec le témoin. One of the members of our, some of the members of our team had an incorrect understanding that when trial witnesses come into this courtroom, c'est que quand un témoin their interviews entre dans are automatically admitted les into evidence. Y afférents sont admis en preuve. And generally, that has been the case. Et generally, de façon générale, with most of witnesses where we've had avec la plupart new des témoins, WRIs, y a eu de either one side or the other has gotten on their feet or sent an email before and said, we would like to use dire, this, new, this new WR that was disclosed. PV désormais communiqué. So there wasn't any effort here to put in evidence that hadn't been made available to everyone. It was an assumption by the people who prepared this motion that anyone who is a trial witness, their written record of interview will come into evidence. And that's why it was included in those charts. But I think it would be helpful, since no one here seems to object to written records of interview of trial witnesses also being admitted, we would be happy to not include those in our 87.4 motion if there is an agreement among the parties that when these witnesses testify, their written records of interview will come into evidence. I know you look... Still need a decision at some time, at some point. La juge fence. So it's, il faudra rendre une décision. I agree in probably all most all cases they will be admitted eventually. Cas, but ces pièces finiront par être admises en preuve, mais soit. No, I understand that. What I'm suggesting, Your Honor, is that instead of including these in, where we're dealing with WRIs of an upcoming trial witness who've been disclosed, instead of those being put into a written motion with others, that the parties simply notify, make an email, or make an oral request to start the proceedings to admit the newly available WRIs. If the chamber would prefer to proceed in that matter, I think that's easier for all the parties, and no one ever seems to have any objection to the admission of these statements. What varies is sometimes parties just do not end up using them in the examination, which has happened with Kim Hui. Pendant l'interrogatoire, c'était le cas avec Kim Hui. The prosecutor doing that examination decided not to use those new interviews, and neither did any of the defense teams, even though they had them. Et la défense non plus. But they were on our list because there is an assumption by the people who were preparing the annexes that all WRIs relating to trial witnesses would ultimately be admitted. So I want les témoins seraient automatiquement déclarés recevables. That was comprenez the thinking that was going on in terms of what happened notre raisonnement et que ça s'est produit dans le cas des PV d'audition de Kim Hui. Maître Kong Somon. Thank you, Mr. President. I would like merci, to Monsieur le Président. Briefly. Je souhaiterais brièvement number one, in relation to the rebellion at Karachi, tout d'abord, I believe concernant la this fact is not within the topic trial of case 002/02. Ce thème ne relève pas du dossier 002/02, so à mon the sens. Related documents in relation to that les fact should not be admitted into evidence. Number two, the co-prosecutor déclaré recevable. Stated deuxième that Khmer Krom had relations with the Vietnamese. This point is not clear to us. We do not know what kind of relation Khmer Krom had with the Vietnamese. There are different facts which we have to consider and study. As far as we are concerned, Khmer Krom are considered Cambodian as of now. So it is clear to us about the category of Khmer Krom as Cambodian at the pour present nous, donc, time. Il est clair qu'aujourd'hui les Khmer Krom sont point des number Cambodgiens. Three. The co-prosecutor submitted that l'accusation
some documents which are not objected should be automatically admitted into evidence. That is not true, and it is not correct. C'est faux. Whenever the co-prosecutors request to call any individual before the chamber, the co-prosecutors are required to submit the relevant documents in relation to that witness. This can facilitate our work. If the co-prosecutors do not include the written records of the witness, that those written records of the witness cannot be admitted into evidence. Être considéré comme admis en preuve. Le président. And now we have to pause a few minutes so that we can change the DVD because the DVD ran out at the moment. Une pause.